Hey, salut les gens, c'est Sam, on se retrouve sur le super let's play de Lions of the North avec Bouda, Fartarin et le Sing. Comment allez-vous? Très bien, ça va et toi? Je suis bien chaud comme un pichet pour hérétique. Bah j'ai pas assez d'argent. Pareil. Ouais, ça veut dire qu'il a au moins 10 000 en banque. Non, j'ai 153. Arrête ton chat. 153 000. Ah non, 153, je suis fauché comme pas possible. Comme les blés. Arrête ton char. Qu'est-ce que t'as foutu? Si, j'allais convertir du païen. Bah, il vient de lancer 30 manufactures, un truc comme ça, sûrement. Vous là, franchement. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Il y a mieux à faire. Allez là-bas. Terre promise s'applique en Tichuchi jusqu'au 5 mars. Défense des forteresses. Défense des forts. Non, maintenant, c'est des forteresses. Non, attendez, parce que je comprends pas pourquoi il veut que je mette une... Pourquoi il veut que je fasse un état à cet endroit-là alors que je peux rien mettre dans des chartes mais que c'est déjà dans des chartes? Quoi? J'ai rien compris. Transylvanie septentrionale. Il me propose de le mettre dans un état. Mais ça... Ah, parce qu'il doit y avoir des terres qui sont dans un... qui sont dans le Saint-Empire romain germanique à tous les coups là-dedans. Bon, est-ce qu'on se prend vraiment une doctrine à 85%? Je ne peux pas soustraire... D'accord, je ne peux pas soustraire la trêve... D'accord. Genre, voilà, donc je suis en trêve avec l'empereur. Hop. Hop. Attendez, excuse-moi, je perds des points. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme doctrine? Alors, Athènes. On est où, Athènes? 10, ça ouais, va c'est économique. Bon, on va les prendre. Toc, 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 voilà. Bon, moi tout se passe bien, les intégrations ça avance aussi. On a fini le Parthénon du Hop. Coup. On prend les canons de cuir. Hein. La bruse. Donc là, on veut transférer. Bien. Bon bah moi Transoxiane j'ai bientôt fini hein. Ma revendique. Tu veux attendre qu'elle se finisse ou pas? Ça me change rien si c'est toi qui attaque, me semble-t-il. En effet. Alors du coup. Reconquête pour Altine. Le Mamelouk ne vient pas. J'appelle Venise. Ah si, maintenant le Mamelouk vient maintenant que je te coche. Ok. Du coup, t'es chaud? Mamelouk, Non, pas pour le Mamelouk, parce que je suis pas dessus, du tout. Bah donc, alors attends. Laisse-moi au moins le temps de recruter au moins une troupe de mercenaires. Ah bah maintenant, même si je te coche pas, il vient. Bon bah voilà, je prends une ou deux troupes de mercenaires pour monter à 200 000, et puis après c'est bon. Ça marche. Encore un mois. Bon. Encore un mois, puis je prends une nouvelle troupe. Ouais, tu peux y aller si tu veux, c'est bon. Je vais attendre un mois, je suis pas assez prêt. Je viens de dépenser mes sous. Eh bien, mon très cher ami, c'est parti. Tu devais pas m'appeler en même temps. Mais je l'ai fait, non? Bah, y a ma coalition qui va venir là. Ah non, parce que Transoxiane n'est pas rentré dans la coalition. Ah oui. Ok. Mais tout d'un coup, je fais waouh. Bah ouais, mais t'as eu de la chance que là, tu m'as pas demandé avant si. Enfin bon. Ok, cool. Bah tu m'as dit qu'il était pas dedans, moi je me suis dit, il est pas ouais, dedans. Oui, mais bon. t'es parlé de ça un an avant, moi. Oh non, t'exagères, c'était il y a genre à quelques secondes. Ouais, oui, c'est ça. Ça fait un an. Est-ce que j'ai pas fait suffisamment là? Ah, tous les coups, c'est parce que j'ai pas compté celle-là? Non, c'est pas possible. Y'a Sind aussi dedans, y'a plein de monde! Hein. Ah non, c'est parce que la dernière c'est pas terminé. Bah non, y'a Fars, Mamelouk, Sind et Yarkand, c'est trois fois rien. Là, ils sont tous à côté de moi, tous des méchants en plus. On va voir si j'ai l'air. Je viens de me faire poutrer ma troupe de 40 000 mercenaires, elle a pas eu le temps de faire son moral. Ah! La pauvre petite. Ils sont tes 22 000 hommes, mec, tu fais quoi là? Mécontentement des clercs. Tu m'étonnes.
Ça pouvait pas arriver avant que je convertisse les provinces là. Ça c'est bon ça. Défenseur de la foi? T'as vraiment si peu de prestige que ça? Plus qu'à 85, j'ai en perdre 15 à cause d'un event. Eh bah ben voilà, direct, tu perds ton défenseur de la foi. C'est dommage. Genre, ah, il faut savoir jouer, hein. Le prend cash. Non, je le prends pas, j'en ai rien à foutre. Je vais pas défendre la foi. Je veux bien défendre le défenseur de la foi, mais c'est tout. C'est le max qu'on puisse me demander. Et encore. C'est un défenseur du foie, c'est pas pareil. Ouais, là, on a déjà foie gras. Là on a personne. Si je me prenais une petite troupe de mercenaires, tiens. Ouais. J'ai regardé ce que ça donne la religion dans l'Empire. Ça fait quoi déjà ça? Tatata. Il y a quand même encore une belle dose d'hérétique. Hein. Va falloir faire du ménage. Vous occupez pas tout, tout simplement. En plus, moi, s'ils sont tous morts, ça me dérange pas de les mettre dans une coalition contre moi. Alors, oui, oui, je sais, mais bon, ça prend du temps, ça prend des points, tout ça, tout ça. Tu la connais, hein, la chanson. Comment je pourrais faire des manufactures dans des territoires que j'ai pas encore? Bah, faut que tu vassalises. Parce que les territoires que j'ai déjà, ils les ont tous. Ah, j'ai golestanisé. Et ça va pas te... Ouais, quand tu m'entraînes dans la guerre, finalement, tu vas pouvoir me donner toutes mes terres, pas sûr. Non, on va falloir faire une paix séparée, tu prends ce que tu veux, et puis après je prends le reste. Ah, c'est ça, moi je me casse. Ah bah, je me casse, du coup. Pas trop tôt non plus, malandrin. Va pas me la refaire encore une fois à l'envers. Ah, du coup, faut peut-être que je parte du principe que je commence à te donner les sièges dans les autres pays. Oui. Hop, c'est parti. Et que tu te fasses pas la malle avec la caisse avant que j'aie fini la guerre, parce que sinon je vais être triste. Ouah, ça va. Bah, je suis pas du genre à faire ça en plus. Non. Pas du tout. Non, c'est tout pas le monde ton me soutient. Genre. Alors, toc. La Louisiane. Le Mamelouk est tellement déprimé qu'il a fait un fort au milieu du désert. Il va être temps d'investir un peu là. Alors. Oula, il y a lag là, non? Non. Non. Non, je cloquais pour qu'on sorte des manufactures et d'un coup. Oh merde! Plus. Je t'ai donné un truc par erreur, Teutonique. Bouge pas, je te le rends. Oh, 15 de prestige, prix du verre, cristal de bohème, c'est arrivé chez moi. Oui. Ah, génial, donc Venise. Ah, mon dirigeant est mort. Par contre, je peux avoir un 3-6-8 en héritier. Pas mal, ça. Hein. Que moi, maintenant, je vois les stats des héritiers. Tu triches. Ah mais ça va avec mon moins 5% de coût des techs. C'est agréable. C'est quoi ça? Occupé par Teutonic. Ok. Ah mais c'est toi qu'elle a. Coucou. Coucou. Avec tous nos points là, on pourrait pas faire quelque chose. Pas sortir Sind? Nope. Ouais c'est bien ça. Ok. Faut prendre au moins une forteresse. Pas de soucis. Et se poser sur la capitale. Voilà. Bouffe. Moi, il veut pas faire ma paix pour l'instant. Ah, t'as des troupes de Mercos qui se font déboîter par le général 3 étoiles du Mamelouk. Il est encore très gros, je trouve, le Mamelouk. J'ai contracté un emprunt. Lol. D'accord. Lol. Non, t'as pas fait ça. Apparemment si. J'ai dû avoir un event, j'ai cliqué bêtement. Il faut clairement que j'arrête de te donner les territoires de Transocéane, parce que si je les donne, je pourrais jamais faire ma paix à part.
Attends, laisse-moi regarder un truc. Oui. Tout ça n'est pas franchement intéressant. Je peux te les donner. Sans que ça pose de problème. C'est pas... Je pense que je vais pouvoir faire ma paix, hein. C'est une paix à 40%. Donc ça devrait pas non plus être trop un problème. Ah mince! Oh mince! Ça fait combien de temps que je suis pas bonhomme là? Commandant là. Hop, en avant. Ici. Ah voilà, on est repassé à 56%. C'est monument d'Athènes, 1 de stab. C'est bien ça. Et là, on extrait 12, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi me donne des trucs? Alors, hop. Qu'est-ce qu'il y a une étoile? Agitation dans le pays, moins 2. Ça pourrait être pas mal maintenant que j'ai plus le droit de... Comment on fait pour trouver la capitale économique d'un pays? Bah, ils la bougent pas, ils ont toujours... Toujours leur capitale en général. Hein. Oh oui, ils la bougent pas. L'Iroquois, ils l'avaient fait. Saleté d'Iroquois, m'étonne pas. Toi, il a disparu, mais... Le Mamelouk, c'est un peu chaud. Hein. Je te cache pas que j'avais mis juste une troupe de mercenaires sur lui. Si tu prends sa capitale, on pourra le sortir. Il a une fortification. Ouais, pour l'instant, je récupère le Caire. Donc, comment ça, c'est je chaud. Pas sur sa capitale. Tu veux dire que t'es en train de te faire piétiner par le Mamelouk? T'es sérieux? Bah, c'est-à-dire que j'avais mis personne en fait en face du Mamelouk. Du coup, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Vu comme ça. Hop. Très bien, t'as amélioré ta compétence de manœuvre en entraînant les troupes, bien joué. Alors j'avais dit qu'on ferait un point sur les colonies. Elles sont nos colonies. Ouais, ça avance tranquillement. Tiens, Farce, on va lui défoncer ses bateaux, ça lui fera les pieds. Oh, le Mamelouk, il est en train de m'assiéger comme un malade. Oui. Saleté. Il carpette. Ah, que je reprenne un ou deux mercenaires. Qu'est-ce qu'on... Bon, la guerre avec la Hire, c'est terminé. Reste plus que celle avec la Castille. Petit 18-6-6, pas correct. Mais elles sont où tes troupes, Vinland? Sérieux, quoi? Mais où t'es? Non, mais il se fait défoncer par des tribus, quoi. J'essaie de comprendre. Il a pas trop de bol. J'ai le casus belli, humiliation d'un rival contre la France. Ah mais oui, c'était un rival. Non mais c'était le même couleur que Venise, du coup je pensais que je l'avais pas comme rival en fait, mais si, pardon. D'accord. Je suis sûr que les viewers ont hurlé dans les commentaires. Je peux pas tout prendre à la Castille, elle a trop développé son pays. Ah mais c'est ça, t'as lancé une guerre. Tu peux pas tout prendre, genre ces 4 provinces là? Il y a 5 provinces. Ah oui, mais c'est vrai qu'il s'est bien fait plaisir. Ça fait une grosse différence, hein, 4, 5... Ah ouais, non mais bah là, si je prends les 4 du milieu, je suis à 96 points. Et la en même temps, il y a quand même niveau 30, niveau 23, niveau 21. Ça va augmenter un petit peu tes capacités, on va pas se mentir. Bof. Bah ouais, mais ça veut dire que je dois lui faire 2 guerres pour prendre toutes ses colonies, quoi. Ça m'énerve. Réfléchis pas, t'as pas le choix, c'est comme ça, go. Lance un assaut sur la capitale du Mamelouk, tu pourras peut-être le sortir après. Parfait. Ouais, c'est beaucoup trop loin ça. Je lance un assaut sur la capitale du Signe, tu pourras peut-être le sortir après. Du Signe? Allô? Pardon? De quoi on parle? Excusez-moi. Ouais, je pense qu'on va avancer du coup. C'est un Signe. Toi. Ouh là, la coalition dégage. La coalition s'écroule, hein, ça y est. Oh ouais, plus de quoi, c'est terminé. Est-ce que t'as remboursé ton emprunt? Les viewers veulent savoir. Ça va saigner. Ça... Ah oui, tiens, j'ai pas remboursé mon emprunt. Hop, c'est fait. Hop, merci, chef. Proposer une loi, qu'est-ce que je pourrais prendre? Incroyable.
des colonisateurs. Qu'est-ce que je foutrais qu'un colon? Alors là, du coup, on sort 12, c'est pas mal, c'est pas assez, mais c'est pas mal. Ah, j'ai pas le temps, si j'ai mal où à faire. Vrai, si on sortait plus ici... Conversion culturelle, je m'en fous, ouais, ça, c'était... je me fous de tout. Autonomie locale. Là, on est à 11 et 12, et au total, on est à 143. Ok. Allez, on passe à 16 ici. Bon, alors. 147 au final, c'est mieux. Pourquoi ça s'est dessiégé, tous les trucs de la transoxiane que j'avais pris? Je ne sais pas. Des particularistes? J'ai rien compris. Il veut bien faire sa paix. Je peux faire la paix ou pas? J'ai des trucs en farce qu'il faut que je te donne. Attends 2 secondes. Je sorte au moins phare, le reste je pourrais m'en débrouiller tout seul ensuite. Pas de soucis. De toute façon, t'as sorti Synd. Ah, il veut plus maintenant que j'ai tout donné. Ah oui, j'ai plus assez de score de guerre. Les trucs que je t'ai donné en phare, ça me faisait du score de guerre, et du coup, il veut plus que je fasse ma paix. Dans la paix que je demande, de toute façon, j'aurai largement ce qu'il faut pour te filer. Écoute, on verra bien. Et si t'as pas assez, tu peux toujours me donner des territoires en transoxiane, ça sera pas dur à récupérer. Dans l'idée, ce que je pourrais, moi, c'est de filer les forts. Ouais. Comme la capitale, et tu me donnerais des trucs qui soient pas des forts. Ouais. Ça, donc je te file la capitale. Néerlandaise. Tu fais ta paix avec farce, là ça devrait être possible. Ouais. Ça se tente. Je sais que t'es pas vraiment vénère, mais bon, faut que tu te bouges un peu à un bout d'un moment. Ouais. Il a proclamé son hégémonie économique. Il était temps de forger une coalition. J'ai compris pourquoi ils sont partis de la coalition. Je suis à 311 000 hommes. C'est beaucoup trop. Filons ça à Venise. Filons ça à Venise. D'ailleurs, je vais pouvoir recruter une armée supplémentaire. Puisque t'en parles. Comment t'as réussi à te taper un drapeau noir ? Je ne sais pas. Mais tant mieux parce que j'ai lancé l'assaut. Non, faut pas y retourner, je lance l'assaut. Sauve-toi, pauvre fou. C'est bon. Toc. Parti. Il y a Yarkand dans la guerre encore. Ah ouais, je sais, je suis en train de siéger sa capitale. Bon, moi je peux pas faire de paix à part pour l'instant. Je suis à moins 54. Ça moins faudrait 13% mal, de score de guerre en plus. C'est quand même beaucoup. Mais comme c'est un fort, celui-là par contre je te le donne. Ça marche. Bon, notre prestige s'est un petit peu cassé la figure, mais on s'en remettra. Alors. Le port du siège de Kashgar. Là, on en est où ? On peut claquer. Le corps convertit un truc. Bon, Milan, c'est sorti de la guerre. Reste le pontife. Là, alors, t'es à combien là? Il te manque combien? Alors, attends, pause. Pour faire ma paix contre les transoxianes, oh, il me manque nul, pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est nul? Moins. C'est fait. Normalement, t'as pas de fort à récupérer. Hop, ouais, voilà. Je vais pouvoir resiéger Manu Militari.
De toute façon, je suis à 94% de score de guerre avec lui. Donc, Ah, c'est marrant, je gagne plus 100 d'absolutisme parce que je suis un lion du Nord. Oh, c'est cheaté tout ça. Trop mignon. C'est clair. Ouh, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Il me faut du fric. Aïe, aïe, aïe. Il te faut du fric. T'as besoin d'un prêt, peut-être ? Comment je peux faire du fric vite fait ? Attendez, il me faut du fric très vite. Je change de dirigeant. Je prends un productivité plus 10, ça va peut-être suffire. Parce que mon dirigeant, là, j'ai juste de lancer l'hégémonie, mon dirigeant, il est devenu veule. Moins d'efficacité commerciale. Moi, je vois que tu fais la pause pour du fric, quoi. Bah oui, mais si je perds mon hégémonie, je peux pas la reprendre pendant 25 ans. Ah oui, parce que t'es revenu mensuel. Ah, je suis à 955. Oh là 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 là. Ah oui. La puissance hégémonique évolue de moins 0,50 par mois. Parce que revenu mensuel de moins 1000. C'est ballot. Et je suis à zéro. Ah là, je suis à zéro. Ça fait tellement mal au cul, j'avoue. Non, mais c'est tout ça parce que le dirigeant, il est passé efficacité commerciale. T'as pas, ouais, je sais pas, tu peux pas réorganiser un peu tes marchands ou un truc du style? Je vais regarder ça. Peut-être, mais si je laisse passer un seul mois, c'est la fin. Peut-être monter un carrefour commercial ou un truc du genre. Ça changera pas grand-chose parce que ça va pas se réactiver. Si c'est du commerce, ça se réactive pas immédiatement. Ouais, c'est vrai. Est-ce que j'ai un truc qui pourrait... Ça me ferait quoi, ça? Rien du tout. Les grands trucs que je peux améliorer, je peux pas. J'ai un marchand en plus ici, mais il va pas m'aider beaucoup. Je peux mettre un marchand aussi. Étonnamment, le Kazakh, depuis que je lui ai refilé quasi totalité de son pays, bah, il est devenu fidèle. Étonnamment. Ouais. Et je peux même des points en développement de province. Même passer l'institution, dis donc. Hop. Ah, tu l'avais pas encore ? Ben non, je l'avais pas encore. Je mettais des sous dans mon pays. Monsieur. Bon bah j'ai fait un truc, je pense pas que ça suffira, hein. On verra bien, mais pour moi c'est mort. Et bah écoute, je suis vraiment navré pour toi. Saleté. Oh, okay. Le dirigeant il pouvait être n'importe quoi, il a fallu qu'il soit veule. On est triste, hein. Ah ouais, non mais vraiment, hein. Je suis... Je me morfonds. Je ne suis que tristesse. Tristitude même. Est-ce qu'on va voir une pop-up? Genre... Venise a merdé, lol. Alors, je n'ai plus suffisamment de rivaux valides, mais je peux prendre que la Scandinavie et Venise, donc on va éviter de le faire. Alors, Pays-Bas, je vais devoir lever l'embargo. Ok, et la France aussi. Ah, France n'est plus un rival valable. 922. Ah, je suis désolé, Portugal, mais là il va falloir y passer. Hein. Ouais. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des choses à faire du côté du Mexique bientôt. Reste de ton côté de la frontière. Ah, Venise. Bizarrement là, Max. Elle me propose l'alliance. Ah, comme oui. Je suis allié avec un pays hégémonique, je perds 20 en démonstration de force. Ah, bah oui, à la violence. Bah, du coup, mon très cher Slan, je pense que notre alliance va devoir s'arrêter là. Ta démonstration de force, moi elle est à 75, ça me va très bien. Moi bon, elle est à 41, ah ça oui me va pas du tout. J'étais au-dessus des 50, là tu me fais passer en dessous. Ah bah faut que tu choisis ce que tu veux, hein, tu vis ta vie. Bon, de toute façon, la guerre contre la Castille est vraiment remontée au-dessus. Bon bah j'espère qu'on va pouvoir considérer que tu l'as éclipsée. Ah, il m'a rivalisé en même temps. Ah oui, elle est éclipsée là depuis longtemps. Normalement, mes rivaux, c'est la France, l'Autriche et les Pays-Bas. La Transoxiane, elle est tellement PLS, elle fait « Bon, tu viens de me claquer les mouilles, je te vends une province. » Ok. 100 balles. Ça me va, hein. Accès militaire à la part de Bourgogne. Pourquoi? T'es en guerre, Bourgogne? En guerre.
Ah, enfin un event correct. Plus 15 000 en réserve. Enfin, manpower cool, plutôt. Ça. Ah bah ça me refait mes armées. Hein. Beau. Bon, va être temps de faire la paix bientôt avec le... avec l'Espagne, vu qu'on peut pas tout lui prendre. Il n'y a pas moyen en pillant ses provinces, ouais, truc comme ça, de lui faire baisser. Il y a quand même peu de travail à faire. Voilà. Bien. La colonie qui donne instantanément un droit à un marchand, ça fait plaisir quand même. Hein. On va pas se mentir. Alors, gain de 1000 ducats, 10 000 sur les réserves, gain de 557 grâce aux provinces côté. Oh, on va pas le faire tout de suite, on va continuer de convertir. Le grand incendie d'Oslo. Oh, pas de bol. C'est où? Bien. Bah, j'ai tout réformé et c'est moins bien qu'avant. Mais il m'enlève pas mon hégémonie pour le moment. Mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, on va pas dépenser 2100 balles. Hein. On va les laisser perdre un petit peu de. Un point de développement, je pense qu'ils peuvent s'en remettre. J'ai une idée de ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux. Alors du coup, ça devrait aider. Mais il me faudrait des sous. Et je fais plus de sous. À cause de mon armée. Je vais donc enlever un petit peu d'armée. Pas des vraies troupes qui sont toutes pourrites. Oui. Et ça, c'est des vraies troupes. Ça. Attends. Oui, bouf. Pas trop le coup. Donc, ici. Là, ça fait plaisir, par contre. Ça, c'était vraiment un bon move, je pense. Là, la Transoxiane, j'ai fait un réseau d'espionnage où je suis à 4 milliards maintenant. 4 milliards de réseaux d'espionnage. Ouais. Ça va. C'est utile. Ça peut servir en cas de d'incendie. Bien. Ouais, je suis toujours allié à Munster, j'avais oublié. Il me sert à quelque chose, Munster? Pas trop, hein. En même temps, c'est ton vassal. Non, c'est Verden, mon vassal. Je pourrais le faire grossir sur Munster, cela dit. Ok, allons-y. Et la coalition revient. Et revoilà la coalition. Et on va commencer à s'y intéresser, tiens. Je vais faire un truc, mais je ne peux le faire qu'en pause. Donc. Hop. Oh, encore des excuses. Ouais. C'est voilà. Clair. Hein. Oh. Ah oui, faut qu'on la fasse ça. Voilà. C'est quand on veut changer le bâtiment à 1000 dans une charte. Vous pouvez enlever mettre un état, enlever l'état, ça détruit les bâtiments. Et ça, mais ça laisse dans la charte et voilà, ça fait pas de problème. Si vous le faites en pause. Par contre, ça vous coûte tout l'argent, faut tout refaire tous les bâtiments. Et ça permet de changer le bâtiment à 1000. Ah, mais toi, l'argent, c'est pas un problème. Ah, quand même, hein. Attends, il a dû faire un emprunt. Hein. Faut au moins 10 épisodes pour s'en remettre, là. Et contre mon gré, en plus. À l'insu de ton plein gré. Contre son gré. Bah oui. T'aurais dû prendre du marbre à la place. Beaucoup plus classe que le gré. 1000 balles et on perd 10 en influence sur le pape. Je pense qu'on peut se permettre ça. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le pape, tiens? Pif. Typiquement, il propose de la stab. Je la prends. Allez hop. On va lancer quelques manufactures supplémentaires. Si seulement. Ah, mais quand je vais annexer la Syrie, je vais me faire plus de thunes. Si seulement. Genre, tu peux pas lancer de manufacture parce que tu les as toutes faites. Pas parce que t'as pas d'argent. Oui, mais c'est chiant. Tiens, regarde, là, c'est pareil. Je gagne du prestige. Mais j'étais déjà à 100, du coup ça a été obligé d'être converti en points de puissance admin
Au lieu de gagner 20 prestige, j'ai gagné 20 admin, 20 diplômes et 20 militaires. Il m'arrive que des trucs comme ça, c'est chiant. C'est terrible. D'ailleurs, t'as pas perdu ton hégémonie finalement? Bah non. T'es à zéro, ça descend, mais tu la perds pas quoi. Non, semblerait que non. Allez, on a bientôt fini tous les ateliers. Bon allez, l'Espagne, fais la paix. Je vais entraîner le Portugal dans ma guerre contre Bagal. Quoi que ceci, Scandinavie catholique. Hein. Toujours, mais j'ai rien dans le coin. Hein. On a réussi la villes, Scandinavie hein, catholique. C'est un beau ça. Tout petit truc, Athènes. Tac, j'ai. Tac, tac, tac. Et voilà. Bah de toute façon, c'est l'heure, Slan. Non. Ah non, je non. Moi je veux ma paix avant. Il veut sa paix avant. Oh là là. Je suis à un point de faire la paix avec la Castille. Merde. Est-ce que t'as toujours pas fait la paix avec la Castille? Non, je vais prendre quand même quelques provinces, quoi. Ça donne 3 mois. Jusqu'en 1er juillet. Il faut qu'il y ait un défenseur. Il faut que je sois défenseur de la foi de niveau 5. Attends, mais comment on peut augmenter la force du défenseur de la foi? En relâchant des pays catholiques. C'est un peu embêtant. Tu relâches, tu convertis d'autres pays. Tu seras jamais défenseur de la foi niveau 5, c'est mort. Ouais. Ouais, d'accord. Tu peux changer de religion, à la rigueur. Ça y est, c'est la paix. Hop là. Eh ben, on vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je suis une hégémonie non hégémoniaque. N'hésitez pas à aller voir les vues des autres, à mettre des commentaires, à mettre des cœurs, à mettre tout ce que vous voulez. Et puis voilà. À tout de suite pour la suite. Salut tout le monde. Bye bye.